statistiques des activités réalisées par les divisions à l'intérieur de la, en fait, à l'intérieur de l'inspection générale. Plainte que nous te recevons au mois mai, Léon nombre 269. Plainte ça y a pour des allégations différentes, comme par exemple abus de confiance 6, coups et blessures 3, conflit terrien 3. Et nous avons tout 7 plaintes pour menaces, nous avons tout 6 plaintes pour refus de prendre soin. Et graphe plainte que nous recevons de janvier à mai, c'est l'on a gardé avec moi là. En janvier, c'était 52, même j'ai avec février, tandis qu'ils font monter en avril, puis qu'ils étaient en avril, mais ils font descendre légèrement en mai, qui descend à 69, donc ça fait 311 plaintes que nous recevons pendant début année jusqu'à mois de mai 2018. Acte d'enquête qui est réalisé pour moi mai par rapport à plainte que nous recevons, nous avons fait 165 convocations, 93 auditions, 34 enquêtes de voisinage, 37 invitations, nous avons 17 confrontations, nous avons pris 2 mesures, alors 3 mesures conservatoires. Nous avons fait 10 levées de mesures conservatoires, mais nous avons gagné tout 3 mesures d'isolement. Alors que nous avons fait une levée de mesures d'isolement. Nous avons parlé de plaintes que nous devons recevoir, mais et ajouté à plainte que nous devons recevoir, nous avons 3 saisines d'office et 4 rapports externes, c'est-à-dire rapports qui sont dans les différentes directions départementales. Donc ça fait au total 76 dossiers que nous recevons pour. Moi, Méa. Enquête qui l'ouvre autour de 76 dossiers que nous recevons, c'est l'été au nombre de 87. Donc, on a dit que tu as d'autres dossiers qui t'attendent. Et rapport d'enquête qui signé, alors rapport d'enquête qui traité, signé et expédié au directeur général, il y a un nombre de 76 pour le mois de mai 2018. Nous avons regardé avec la graphe qui représentait la quantité de rapports qui allait joindre le directeur général là, de janvier à mai. Donc en janvier c'était 54. En mai, alors en janvier 54, en février le fonds descend à 45. Et l'étape font remonter en avril qui est 61. Donc piclan pour 5 premiers mois, ça c'est mai que l'inspecteur général en chef là, transféré par DG. 76 dossiers d'enquête. Ça fait au total 274 dossiers qui déjà allaient joindre le directeur général là, seulement pour les 5 premiers mois, donc de janvier à mai. Qui ça qui gagne dans recommandation par rapport à dossier d'enquête ça qui allaient joindre le directeur général là? Nous joignons 6 mises en disponibilité, nous joignons 24 suspensions. Comme ça, nous joignons tout 32 classements. Classement, c'est des dossiers pour lesquels plaignant vient porter plainte et l'inspection générale traite, il n'y a pas aucun fondement. Donc, l'inspection générale recommande pour classer le dossier, ça, donc au nombre de 32. Ces mêmes gens, tout, nous fait avis au plaignant qui c'est 39. Donc, avis au plaignant, j'en habitué dire, c'est lorsque plaignant porte plainte, nous li quittons le numéro de téléphone, nous traitons le dossier, le dossier a fini de traiter, nous relèvons pour nous dire. Mais recommandation nous fait par rapport à plainte que l'ITPOTA a. Donc c'était autant d'activités que nous avons réalisées pour le mois de mai 2018 à l'inspection générale. Nous ne pouvons pas suspendre. Si il y a un monde qui remarque un bagaille, un policier a fait ou estime que il a besoin d'intervention inspection générale, pas négliger. Relez-nous sous deux numéros SAO, 2259 1111, 2260. 11-11. Merci. Statistiques des activités réalisées par les divisions à l'intérieur de la, en fait, à l'intérieur de l'inspection générale. Plainte que nous te recevons au mois mai, Léon nombre 269. Plainte ça y a pour des allégations différentes, comme par exemple abus de confiance 6,
Kouéblé sur 3, conflit terrien 3, et nous avons gagné tout 7 plaintes pour menace, nous avons gagné tout 6 plaintes pour refus de prendre soin. Et graf plainte que nous recevons de janvier à mai, c'est l'inab gardé à même là. En janvier, c'était 52, même avec février, tandis qu'ils font monter en avril, puis qu'ils étaient en avril, mais ils font descendre légèrement en mai, qui descend à 69, donc ça fait 311 plaintes que nous recevons pendant début année jusqu'à mois de mai 2018. Acte d'enquête qui est réalisé pour moi, mais par rapport à plainte que nous recevons, nous avons fait 165 convocations, 93 auditions, 34 enquêtes de voisinage, 37 invitations, 17 confrontations. Nous avons pris 2 mesures, alors 3 mesures conservatoires, nous avons fait 10 levées de mesures conservatoires, mais nous avons gagné tout 3 mesures d'isolement. Alors que nous avons fait une levée de mesures d'isolement. Nous avons parlé de plaintes que nous avons recevoir, mais et ajouté à plainte que nous avons recevoir, nous avons 3 saisines d'office et 4 rapports externes, c'est-à-dire rapports qui sont dans les différentes directions départementales. Donc ça fait au total 76 dossiers que nous recevons pour moi, Méa. Enquête qui l'ouvre autour de 76 dossiers ça, que nous recevons, c'est au nombre de 87. Donc nous avons dit que nous avons d'autres dossiers qui t'attendent. Et rapport d'enquête qui signé, alors rapport d'enquête qui traité, signé et expédié au directeur général, il y a au nombre de 76. Pour le mois de mai 2018. Nous avons regardé avec la graphe qui représentait la quantité de rapports qui allait joindre le directeur général là, de janvier à mai. Donc en janvier c'était 54. En mai, alors en janvier 54, en février ils font descendre à 45 et ils font remonter en avril qui est 61. Donc piquant pour 5 premiers mois, ça c'est mai. Que l'inspecteur général en chef là transféré by DG 76 dossiers d'enquête. Ça fait au total 274 dossiers qui déjà allaient joindre le directeur général là seulement pour les 5 premiers mois, donc de janvier à mai. Qui ça qui gagne dans recommandation par rapport à dossier d'enquête ça qui allaient joindre directeur général là, nous joignons 6 mises en disponibilité, nous joignons 24 suspensions. Comme ça, nous joignons tout 32 classements. Classement, c'est des dossiers pour lesquels plaignant vient porter plainte et l'inspecteur général traite, il n'y a pas aucun fondement. Donc, l'inspecteur général recommande pour classer dossier ça, donc au nombre de 32. Ces mêmes gens, tout, nous fait avis au plaignant qui c'est 39. Donc, avis au plaignant, j'en habitué d'il, c'est lorsque le plaignant porte plainte, nous lui quittons le numéro de téléphone, nous traitons le dossier, le dossier a fini de traiter, nous relèvons pour nous dire, mais recommandation nous fait par rapport à la plainte que lui a portée. Donc, c'était autant d'activités que nous avons réalisées pour le mois de mai 2018 à l'inspection générale. Nous ne pouvons pas suspendre d'il. Si il y a un monde qui remarquait, bagaille, on policier a fait ou estimer que les besoins d'intervention inspection générale, pas négliger, relez-nous sous deux numéros ça, 2259 1111, 2260 1111. Merci. Statistiques des activités réalisées par les divisions. À l'intérieur de l'inspection générale. Plainte que nous avons recevoir au mois mai, le nombre de 69. Plainte ça yo pour des pour des allégations différentes comme par exemple abus de confiance 6, coup et blessure 3, conflit terrien 3. Et nous avons gagné tout 7 plaintes pour menace, nous avons gagné tout 6 plaintes pour refus de prendre soin. Et graf plainte que nous recevons de janvier à mai, c'est l'inab gardé avec là. En janvier, c'était 52, même avec février,
tandis qu'ils font monter en avril, puis qu'ils étaient en avril, mais ils font descendre légèrement en mai, qui descend à 69, donc ça fait 311 plaintes que nous devons recevoir pendant début année jusqu'à mois de mai 2018. Acte d'enquête qui est réalisé pour moi, MEA, par rapport à plainte que nous recevons, nous avons fait 165 convocations, 93 auditions, 34 enquêtes de voisinage, 37 invitations, nous avons 17 confrontations, nous avons pris 2 mesures, alors 3 mesures conservatoires, nous avons fait 10 levées de mesures conservatoires, mais nous avons tout 3 mesures d'isolement. Alors que nous avons fait une levée de mesures d'isolement. Nous avons parlé de plaintes que nous devons recevoir, mais et ajouté à la plainte que nous devons recevoir, nous avons 3 saisines d'office et 4 rapports externes, c'est-à-dire rapports qui sont dans les différentes directions départementales. Donc ça fait au total 76 dossiers que nous recevons pour moi, MEA. Enquête qui l'ouvre autour de 76 dossiers que nous recevons, c'est au nombre de 87. Donc, on a dit que tu as d'autres dossiers qui t'attendent. Et le rapport d'enquête qui signé, alors le rapport d'enquête qui traité, signé et expédié au directeur général, il y a un nombre de 76 pour le mois de mai 2018. On a regardé avec la graphe qui représentait quand c'était le rapport qui allait joindre le directeur général là, de janvier à mai. Donc en janvier c'était 54, en mai, en janvier 54, en février ils font descendre à 45 et ils font remonter en avril qui est 61. Donc piquant pour 5 premiers mois, ça c'est mai que l'inspecteur général en chef là transféré by DG 76 dossiers d'enquête. Ça fait au total 274 dossiers qui déjà allaient joindre le directeur général là. Seulement pour les 5 premiers mois, donc de janvier à mai. Qui ça qui gagne dans la recommandation par rapport à dossier d'enquête ça qui allait joindre le directeur général là? Nous joignons 6 mises en disponibilité, nous joignons 24 suspensions. Comme ça, nous joignons tout 32 classements. Classement, c'est des dossiers pour lesquels plaignant vient porter plainte et leur inspection générale traite le. Il n'y a pas aucun fondement. Donc, l'inspection générale recommandée pour classer le dossier, donc au nombre de 32. Ces mêmes gens, tout, nous fait avis au plaignant qui c'est 39. Donc, avis au plaignant, j'en ai habitué dire, c'est lorsque le plaignant porte plainte, nous lui quittons le numéro de téléphone, nous traitons le dossier, le dossier a fini de traiter, nous relèvons pour nous dire, mais recommandation nous fait par rapport à la plainte que lui a portée. Donc c'était autant d'activités que nous avons réalisées pour le mois de mai 2018 à l'inspection générale. Nous n'avons pas suspendu. Si vous avez un monde qui remarque yon bagay, un policier a fait ou estime que les besoins d'intervention inspection générale, pas négliger, relez-nous sous deux numéros SAO, 2259 11 11, 2260 11 11. Merci.